En fait, je suis une jeune fille, on peut dire, dans nos jargons, on nous appelle garçon manqué. Mm-hmm. Ah, voilà, parce comme que les grasses. Nous avons des cheveux courts qui n'est en aucun cas en, par rapport avec un garçon. Juste un choix. Mm-hmm. Je me sens à l'aise avec les cheveux courts. Par moments, j'aime sortir comme ça. Depuis toute petite, je me fais coiffer les cheveux. Mais avec l'entourage, pendant qu'il y a les sorties avec les copines, il y a un peu de manquement. Elle me traite un peu de garçon. Elle veut toujours que je sois un peu efféminée. Chose qui n'est pas mon truc. Ça me dérange un peu. J'aimerais qu'elles acceptent et m'assument comme ça, mais c'est un peu compliqué. Si je comprends bien votre préoccupation aujourd'hui, c'est de pouvoir vous afficher et vous assumer tel que vous êtes. Mmh. Mais bon, déjà, j'ai envie de vous dire que vous n'avez rien d'un garçon manqué aujourd'hui. Vous avez plutôt des cheveux longs, une robe très élégante. Mmh. Dites-nous un peu, dans la vie de tous les jours, en dehors des sorties avec vos amis, est-ce que vous arrivez à vous montrer avec vos cheveux courts? Oui, très souvent. Uniquement que les sorties, je me mets la perruque. Sinon, au travail, à la maison, au quartier, dans mon entourage, c'est tout le temps les cheveux courts que je prends. Mais alors, vous portez des perruques, vous changez votre apparence pour plaire aux autres ou pour mieux rentrer dans le moule? Ou vous le faites par rapport aux autres? Beaucoup par rapport aux autres. Parce que moi, j'aimerais me promener librement à tout moment, avoir les cheveux courts, mes balades, être hélas. Mais par moment, quand il y a les sorties avec la copine, elle me stresse un peu, il faut te maquiller, il faut mettre la perruque pour que nous soyons au même pied d'égalité. Ça. T'es habillée. Moi, vraiment, je... J'ai pas de questions à te poser parce que je me rends compte qu'en fait, tu es en train de te pourrir toi-même l'existence. C'est ça. Tu es en train toi-même de mettre le cadenas sur une chaîne. OK? Ouvre ce truc-là, fais sauter les verrous. Tu es comme tu es, accepte-toi comme tu es. Si les autres ne t'acceptent pas comme tu es, passe ta route. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde de toute façon. Donc, reste tel que tu es. Parce que, en fait, comme on dit, il faut être bien dans sa peau, bien dans sa tête, et puis bien dans son corps. Et pour être bien dans ses baskets et avancer dans la vie. Donc, il faut franchement, arrête. Les autres, si elles ont envie de mettre leur perruque, les fossiles, etc., mais voilà qu'elles le fassent. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Mais peut-être qu'elle a du mal à... À s'intégrer dans le groupe ou d'être la personne différente. Ben dans ce cas, elle va chercher alors des gens qui sont comme elle. Parce qu'en fait, on reste dans un milieu dans lequel on se sent bien. Est-ce tout? Tu as quel âge d'abord? Est-ce tout? C'est ça. 24 ans. 24 est-ce ans. Tout? D'accord. Est-ce que j'ai une question? Tu permets ici que je ne te la permets rien. Si tu vas permettre. Là, j'arrache la parole. Est-ce que les garçons qui soupirent après toi te posent des problèmes, te font des remarques désobligeantes par rapport à tes cheveux coupés courts? Non. D'accord, alors, c'était une question. Est-ce tout? Est-ce tout? Oui. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Tes camarades aiment quoi? Tu es sage. Elles aiment quand tu t'habilles comme femme et tout ce qui va avec. Oui. Toi, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? En fait, moi, pour l'habillement, je n'ai pas de complexe. Au niveau de la... Au niveau des cheveux, est-ce tout, qu'est-ce que tu aimes? J'aime les cheveux coiffés. J'aime les cheveux courts. Reste avec toi. Enlève ta perruque. C'est une perruque? Oui. D'accord. En plus, tu es magnifique, mais alors... Oh là là! Regarde la caméra. Comment tu te... Est-ce qu'on peut la mettre à l'image? Elle on peut la mettre derrière Deborah. Elle va se voir un peu. Regarde-toi là-bas. Comment tu te trouves? Mais tu es magnifique. Oh, comment tu te trouves? Elle est trop belle. Tu te sens belle? Est-ce que tu te sens belle? Réponds très fort, je me sens belle. Oui, je me sens belle. Est-ce que tu te sens belle? Oui. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Quand tu te regardes à la télé, comment tu te vois? Je me vois très bien. Tu restes comme ça jusqu'à ta mort. Le jour où tu as décidé de changer, tu changes. Quand toi-même tu veux changer, c'est tout. Tant que tu ne veux pas changer tes camarades, ils disent de mettre ça là. On s'en fout d'elle. D'accord. Elle est magnifique.